Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main deux hubs USB type C de la marque Omars. Continuez la vidéo, petit message promotionnel pour vous présenter le logiciel Geosoft Data Recovery qui vous permet de récupérer des données effacées de votre iDevice. Le logiciel est simple d'utilisation, vous avez juste à brancher votre appareil sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton scanner, un scan débute alors et vous pourrez par exemple récupérer vos photos et vidéos effacées ou bien encore des rappels dans votre calendrier, le tout sans intervention manuelle de votre part. Une fois le scan terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton récupérer les données. Pour en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Comme dit précédemment, on se retrouve pour prendre en main deux modèles de hub USB type C fabriqués par la marque Omars. Le premier est ultra compact et permet, en plus d'ajouter un certain nombre de ports supplémentaires au MacBook Pro, de pouvoir poser à la verticale son smartphone. Et le second possède un nombre important de ports puisqu'on compte sur celui-ci une dizaine de ports. Il faut savoir que depuis la génération des MacBook Pro sortie en 2016, Apple a remplacé toutes les connectiques du Mac par de l'USB type C. On n'a donc pas de l'Ethernet ni même de port de carte SD. Ce type de hub permet donc de recharger votre MacBook Pro et de n'avoir qu'un seul câble à brancher pour bénéficier en l'occurrence sur ce modèle-ci de 10 connectiques supplémentaires. On va commencer tout d'abord avec le premier hub USB type C ultra compact. Au niveau du packaging, on retrouve donc une photo du hub sur la face avant. On voit qu'il va proposer 5 ports supplémentaires, donc essentiellement de l'USB, mais pas que, on retrouve l'Ethernet et même de la HDMI. On a quelques spécifications à l'arrière et notamment le fait qu'on peut venir y poser son smartphone. Une fois le hub sorti de la boîte, on retrouve donc le hub juste ici, le câble USB type C vers USB type C avec lequel on va pouvoir venir relier le hub au Mac. Le câble n'est pas très très long, il faudra donc positionner le hub vraiment à proximité du Mac. On a aussi une petite notice d'utilisation pour nous indiquer le fonctionnement du hub et des différentes connectiques. Le hub est vraiment ultra compact et c'est à la base pour ça que ce modèle a été pensé, c'est vraiment pour faciliter le transport. Parce que comme on peut le voir, il tient vraiment dans le creux de la main. Sur la face arrière, on a 4 patins antidérapants pour assurer la stabilité du support sur la plupart des surfaces. Sur la tranche gauche, on retrouve un port Ethernet capable de sortir du 1000 Mbps, donc du 1 Gbps. Vous pourrez donc relier votre MacBook Pro au réseau filaire, souvent plus stable que le Wi-Fi. Ici, on retrouve le port USB type C. Sur le devant, on retrouve le logo de la marque Omars. Et enfin, on a ces deux parties qui viennent se déplier et qui permettent de positionner un smartphone à la verticale. Sur la tranche basse, ici, on a deux ports USB type A 3.0 qui sortiront au maximum du 5 Gbps, idéal pour y brancher des disques durs ou tout autre périphérique. Ici on trouve le port HDMI capable de sortir de la 4K à 30 Hz et de la 1080p à 60 Hz. Et enfin ici le port USB type C qui sert à recharger le MacBook Pro. Pour vous expliquer assez brièvement le fonctionnement, c'est sur ce port-ci que viendra se brancher le chargeur de votre MacBook Pro et c'est sur ce port-ci, celui situé sur la tranche gauche, que l'on vient relier le hub au MacBook Pro. Vous économisez ainsi un port USB type C lié à la recharge. On va donc faire le test tout de suite avec un MacBook Pro édition mi-2017. On va commencer par venir relier l'alimentation sur le hub. Le hub est positionné juste ici. On a donc relié l'alimentation, on va venir relier l'Ethernet et on va venir connecter le hub au MacBook Pro. Le hub est donc connecté au MacBook. On ne le voit peut-être pas bien à la caméra, mais des petites LED bleues s'allument au niveau des ports USB et les connectiques Ethernet s'allument aussi. Si on vient regarder sur macOS les préférences système, on devrait constater déjà premièrement que le Mac est bien en charge avec l'adaptateur secteur qui est branché au hub USB-C. Et enfin, si on vient du côté de l'Ethernet, donc dans la section réseau, on retrouve donc le Wi-Fi et ici le hub USB-C. Et on voit bien qu'il va jusqu'à 1000 Mbps, soit 1 gigabit par seconde. Il a réussi à récupérer son adresse IP auprès de la passerelle locale et on a donc accès à Internet. Précision concernant le port HDMI, vérifiez que le port USB type C de votre ordinateur est compatible DisplayPort ou Thunderbolt, sinon la puissance ne sera pas suffisante pour faire passer un débit vidéo. En l'occurrence, sur les derniers MacBook Pro, il s'agit uniquement de port USB type C Thunderbolt 3, donc vous pouvez brancher un écran 4K sur le hub sans aucun problème. C'en est tout pour ce premier hub qu'on peut trouver sur Amazon environ aux alentours des 35€. A savoir que, comme vous pouvez le voir actuellement, il est aussi possible de positionner son iPhone sur les rebords du hub afin de pouvoir visualiser son écran
à la verticale. Le hub ne recharge cependant pas l'iPhone qui est posé dessus. Passons désormais au second hub qui a la particularité lui de fournir un très très grand nombre de connectiques puisqu'on en retrouve une dizaine directement intégrés au dock. Sur la face avant, on retrouve donc le hub avec le petit câble USB type C qu'on vient relier au MacBook et enfin la plus grande valeur ajoutée du dock, c'est-à-dire les 10 ports situés sur la face arrière. On va retrouver notamment de l'HDMI, de l'Ethernet, des ports SD, micro SD, VGA et de l'USB 3.0. Et comme le précédent dock, on pourra venir recharger le Mac à partir du hub. On a une petite notice d'utilisation qui nous indique les différentes connectiques proposées par le hub ainsi que les différents périphériques qu'on pourra venir y brancher. Le hub est juste ici, il est assez long, à savoir qu'il fait environ la longueur d'un MacBook Pro 13 pouces puisqu'il est prévu pour être positionné en dessous afin d'incliner le MacBook comme on va le voir par la suite. On a donc un câble USB-C plus long que sur le précédent modèle, mais de toute manière vu que le hub est positionné juste en dessous, ça fera un arc ici pour être venir relié au port USB type C situé sur la gauche. À savoir qu'il s'agit d'une pièce d'aluminium couleur gris sidéral comme sur les derniers MacBook Pro. Sur la face avant, on retrouve le logo Mars ainsi que les patins antidérapants puisqu'on viendra positionner le MacBook sur le hub. Au niveau du câble USB type C, celui-ci semble être en nylon et donc devrait résister aux différentes pliures qui seront imposées par le fait que le hub est positionné sous le Mac. Donc sur la tranche gauche, on a la sortie USB type C. Sur le côté droit, on a un port jack 3,5 mm. Ici, trois ports USB 3.0 limités à un débit de 5 gigabits par seconde. Là encore, idéal pour brancher tout ce qui est disque dur et périphérique externe type clavier souris. On a ensuite un lecteur de carte SD et micro SD, un port Ethernet compatible gigabit seconde, ici un port HDMI capable de sortir de la 4K à 30 Hz, un port VGA capable de sortir de la Full HD à 60 Hz et enfin le port Power Delivery USB type C pour venir relier le chargeur du MacBook Pro au hub qui lui-même se chargera de recharger le MacBook Pro. Là encore, comme pour le précédent dock, aucun driver n'est nécessaire, le tout fonctionne en mode plug and play, donc il n'y aura pas de driver réseau ou autre à installer sur macOS. On va donc venir tester cela tout de suite en enlevant actuellement les différents hubs de connecter au Mac et le remplacer uniquement par celui-ci. C'est donc l'avantage, comme ce hub présente 10 connectique, il peut remplacer plusieurs hubs à la fois. Voilà, comme on peut le voir juste ici, le Mac est relié au hub USB-C avec un câble Ethernet, un HDMI qui va permettre d'étendre l'écran du MacBook Pro sur un écran Full HD 1080p. Et on a aussi plusieurs périphériques USB qui sont branchés sur le hub. Et c'est maintenant le hub, au travers du bloc de recharge du MacBook Pro relié au hub USB-C, qui recharge le Mac. Comme on peut le voir juste ici, on a donc l'écran auquel est relié le hub USB-C. Si on regarde au niveau de la batterie, celle-ci est bien en recharge via l'adaptateur secteur. Voilà, sans tout pour la prise en main de ces hubs USB type C, à savoir que pour le second modèle présenté, vous pouvez le trouver environ pour 70€ sur la boutique en ligne Omars Amazon.fr, 35€ pour celui-ci. Pour rappel, celui-ci est prévu pour être positionné sur un bureau, n'est pas réellement extrêmement transportable puisqu'il est quand même assez large. Il vient là remplacer un hub Thunderbolt 3 qui va coûter lui beaucoup plus cher, puisque les docks Thunderbolt 3, eux, vous allez les trouver environ pour 200 à 300€. Celui-ci est un USB-C, il n'offrira pas les débits du Thunderbolt 3, mais sera beaucoup moins cher puisqu'il va pouvoir pour environ 70€ vous offrir 10 ports supplémentaires, là où un dock Thunderbolt 3 vous offrirait autant de connectiques mais pour un prix beaucoup plus élevé. Celui-ci est extrêmement transportable, il tient vraiment dans le creux de la main et il est prévu pour être transporté assez régulièrement. C'en est tout pour la présentation de ces deux hubs USB-C de la marque Omars. Des offres spéciales sont en description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.